Bonjour, et bien aujourd'hui on se retrouve pour un cours de stretching, votre cours préféré pour certaines. Et bien c'est parti, on y va. Donc on joint les pieds, on relâche les bras le long du corps, on se tient le plus droit possible, on pense à rentrer le ventre et on pense aussi à sa respiration. On inspire et on expire. L'inspiration, vous vous rappelez, se fait par le nez et l'expiration par la bouche. Alors, on relâche la tête en avant, puis en arrière. En avant, en arrière, encore. Sans bouger le dos, sans bouger les épaules. On essaie d'éloigner les épaules le plus possible des oreilles. Et là, on incline la tête à droite, à gauche. Encore. Encore une fois, et là on va tourner la tête vers la droite, vers la gauche, encore, sans bouger les épaules, essayez d'envoyer le menton au-dessus de l'épaule, et là on va rester à droite, et on va dessiner un cercle, sans aller trop en arrière, et on finit au-dessus de l'épaule gauche. On fait la même chose dans l'autre sens. Vous replacez la tête en bas, puis au centre. Et là, on enroule les épaules. Deux grands cercles vers l'arrière. Inspire, expire. Même chose, on replie les bras, on serre les coudes, puis on pousse les coudes loin vers l'arrière en ouvrant la cage thoracique. La tête reste bien droite, vous serrez les côtes ici et expirez à l'arrière pour les coudes. Encore deux fois, relâchez les bras et le grand cercle. Inspirez, expirez ici. Inspirez, expirez. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Hop. Essayez de garder le corps le plus droit possible, le plus grand possible. Et là, on replie les bras, on fait le cercle dans l'autre sens. On relâche les bras, les épaules à présent. En avant. Arrière, inspirez. Avant, expirez. Et là, on va monter les bras lentement. Les bras et lentement vers la droite. On reste. Inspire. Expire. Gardez le bassin bien droit. Le poids du corps sur les deux pieds. Ne basculez pas sur le pied droit. Placez les bras au-dessus et on fait la même chose à gauche. Tout à l'heure.
même chose à gauche. Replacez vos bras, les mains jointes. Baissez vos épaules. Grandissez-vous. Allez à gauche. La tête est bien droite. On doit bien voir ici la gorge. Ne vous mettez pas comme ça. Baissez bien vos épaules. Cette fois-ci, on essaie d'aller encore un peu plus loin. Allez, on reste. Et on revient. Relâchez les bras. Replacez. À gauche. Gardez les bras le long du corps. On enroule la colonne vertébrale. On commence par la tête, puis ici on creuse le ventre, on plie les genoux et on descend. On lâche bien la poitrine sur les cuisses. On détend les épaules, on détend les bras, on détend la tête. On reste. Les jambes sont bien fléchies. On reste là. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. On fait la même chose. On garde le buste sur les cuisses. Mais on déplace le buste vers la droite. Les genoux restent dans l'axe. La tête est relâchée. Les épaules aussi. On reste. Attention au bassin. Bougez pas le bassin. Restez dans l'axe. On fait la même chose vers la gauche. Détendez bien le dos. Gardez bien vos jambes fléchies, lâchez la tête. Puis on revient au milieu. On tend les jambes. On redresse le dos. On baisse les épaules, on allonge le cou. Bien sûr, si ce n'est pas possible d'avoir les mains au sol, vous placez les mains ici de chaque côté, au niveau des tibias. Vous appuyez, vous faites une petite pression et vous allongez la colonne vertébrale. Vous restez. Puis on va plier la jambe gauche sans déhancher. La jambe droite, on pousse seulement le genou vers l'avant sans bouger les hanches, sans bouger le dos. Si vous avez les mains au sol, le bout des doigts au sol. Encore. Et puis là, on va tendre les jambes. On tend les jambes et on croise les bras. Puis on relâche de nouveau le dos, la tête. On reste. Et on balance le buste à droite, à gauche. Replacez vos épaules, replacez la tête et on inspire, on monte les bras, on croise et on tourne, on pousse les paumes de main vers le plafond, on descend les épaules et on va de nouveau à droite. Oh.
cette position, on va placer les bras dans le dos. On entrelace les doigts, on enroule les épaules, on se redresse. Puis là, on va plier les jambes. On plie les genoux, on pousse les genoux en avant. On creuse le ventre, on relâche la tête, le buste sur les cuisses. Relâchez la tête, puis envoyez les bras derrière. Vous restez. On remet le profil. Hop, on relâche bien la tête et on envoie les bras. Maintenant, si possible, on tend les jambes. Exercice. On replace le dos, les bras, on remonte. On entre là.
passe les doigts, on tourne. Donc cette fois-ci, c'est la troisième fois. On va essayer d'aller un peu plus loin. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on remonte. Et on fait la même chose à gauche. Enroulez les épaules. Poussez les mains vers le bas. Pliez un petit peu les genoux et relâchez. Envoyez les bras derrière. Restez. Alors la troisième fois, et vous essayez d'aller un peu plus loin avec vos bras et vous tendez vos jambes. Lâchez vos bras. Vous pliez vos genoux pour placer vos mains, placez vos bras derrière. Hop, on serre, on relâche bien la tête, le buste sur les cuisses et lentement on essaie de tordre les jambes. Alors si vous n'y arrivez pas, même si vous êtes plié, poussez les fesses vers le haut et vous allez quand même étirer vos jambes. Relâchez bien la tête, inspirez. Allez, on prend sur les jambes, on essaie de pousser la tête vers les orteils en expirant. Encore. On relâche, on plie les genoux et on monte. Déroulez bien la colonne vertébrale. Replacez vos bras, étirez. Et revenez, replacez vos bras. Alors, on va essayer de faire une seule fois le même exercice dans la position ouverte. Donc ici, vous poussez les pointes de pied vers l'extérieur, vous serrez bien vos jambes. Et on repart. On va le faire qu'une seule fois. Entrelacez les doigts, tournez, déplacez le buste à droite. Pensez à bien contracter les fesses, contracter les cuisses. N'oubliez pas. Et en haut. À gauche. On revient. Et on place les bras derrière. C'est la même chose. Enroulez les épaules. Hop, redressez bien le dos. Poussez vos mains vers le bas. Pliez les jambes. Donc ici, on pousse bien les genoux au-dessus des orteils. D'accord ? Mettez pas vos jambes comme ça, mais bien au-dessus. Étirez, puis vous relâchez le dos. Dos plat à l'avant. Et là, on va rester. Poussez vos bras. Puis poussez le buste vers l'avant, relâchez la tête, envoyez les bras. Votre respiration, toujours fluide, constante, on relâche. On tend les jambes. On place les bras. C'est pareil. Allez, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. On relâche les bras. On plie un petit peu les genoux. Et on déroule le dos, on monte. Replacez le buste, montez vos bras. Et on étire. Et là, on place les mains dans le dos. Toujours les doigts entrelacés. Et on descend dos plat. On reste. Placez
bien en place, vous rentrez un tout petit peu le menton. Vous placez le bras droit devant. Restez. Et là, vous déplacez le buste vers la droite. Restez. Allongez bien vos bras. Les épaules bien parallèles au sol. Ne soyez pas tordus, bien droit. Et vous descendez lentement en essayant de poser la main au sol. Tournez la paume de la main derrière. Puis avec votre main gauche, vous repoussez, vous tournez la tête. Ici, vous déhanchez, vous envoyez la hanche vers la gauche. Vous bien étirez un peu plus l'intérieur de la cuisse et vous montez le bras gauche. Placez bien vos épaules, tournez bien le buste et regardez vers le haut. Reposez la main au sol, replacez les hanches, pliez la jambe gauche et restez. Ouvrez bien ici le genou, déplacez vos mains un tout petit peu plus vers la droite. Repoussez vos mains, restez, placez bien vos épaules. Étirez le dos et montez le bras droit. Placez toujours vos épaules, allongez bien l'autre dos. Reposez la main, pliez de nouveau la jambe gauche. Restez. Gardez la tête dans le prolongement. Allez, on part à gauche et on place le bras droit. Pensez à votre respiration, toujours fluide. Descendez vos épaules, rentrez le menton. Posez la main. Dernière fois, pliez. Ouvrez bien. Allez, on tend et on tend le bras droit. On reste. Soyez bien sur vos orteils. Puis on pousse les talons vers le sol. On décolle les orteils. Hop, et on se repousse vers l'arrière. Le dos bien droit si possible. On se repousse. On reste.
reposer, décolle les orteils. Reposez, déplacez vos pieds vers l'extérieur. Placez vos mains derrière, pliez vos jambes et descendez. Levez la tête. Restez avec vos coudes, poussez les genoux vers l'extérieur. Redressez le dos, lâchez complètement le bassin vers le bas. Allez, on reste. Inspire. Expire. Et on tend les jambes, on bascule, on envoie la tête vers le sol, on tend les jambes. Pille. Ah, et bien voilà, c'est mon loulou, vous le connaissez. Hein. Et bien avec vous, bien. Tendez. Thank you.
reposez la main, déplacez le buste au centre. Comme tout à l'heure, on place un peu les pieds parallèles, on avance un peu les mains et on monte sur demi-pointe. On enroule le dos. Puis on pose. On décolle les orteils, on reste. Le genou droit, hop, on croise et là on reste. Baissez vos épaules. Allez, on place les coudes. Et là, avec une main, la main droite, on ouvre un peu. Et on monte le bras gauche. On reste. Thank you.
relâchez, serrez vos genoux. Redressez le dos. Serrez bien vos genoux, puis vous pliez vos jambes. Et puis là, vous basculez le bassin. Et vous tendez le bras gauche. Restez. Toujours la même jambe, vous placez la jambe ici, vous pliez la jambe gauche, puis vous posez vos mains et vous restez. Allez, on essaie de tendre la jambe gauche. Gardez la main droite au sol et vous décollez la main gauche. Vous attrapez votre cheville, vous relâchez. Restez. Posez la main, replacez le pied devant, croisez vos jambes. Redressez le dos. Avancez un peu vos mains. Déplacez le buste à gauche et vous relâchez le buste. Vous revenez au centre et vous refermez vos pieds. Pliez les genoux et remontez. On va faire la même chose de l'autre côté. Genou gauche en haut. Allez, on ouvre les coudes, on reste. Allez, on essaie de bien monter le genou. Alors, on a un côté plus souple que l'autre. Allez, ça monte, ça coince un peu. Je me replace. Et on ouvre. Et on tend le bras droit vers le haut. Hop, derrière, on serre les genoux, on plie la jambe droite, on bascule le bassin et on tend le bras, on reste. Je ne l'ai pas trop dit pour cet exercice, mais vous savez, on inspire, on expire tout le long du cours, bien oxygéné, et on lâche, on croise le pied gauche, on déplace les mains vers la droite, et on se repousse. Passer au sol.